Bonjour à tous, c'est Raphaël et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon premier succès sur l'attaque usine de guerre. En anglais, je crois que c'est Colonel Gerhardt. Donc c'est un niveau 90 et jusqu'à présent, je n'y suis jamais arrivé. Pour vous dire, j'ai dû essayer de la faire à fond 2 ou 3 fois. Mais quand on voit la difficulté, en plus je pense que j'attaquais avec les mauvaises combinaisons. Donc cette fois-ci, on va y aller avec les gros bras et les zookas. J'ai regardé quelques vidéos dernièrement pour comprendre plus cette mission et je me suis rendu compte que c'était une combinaison qui marchait très très bien en fait, et que ça marchait mieux que d'utiliser des tirs de barrage ou de l'artillerie à tout va. Donc allons voir la bataille ensemble. Donc ça c'est la première partie, donc usine de guerre, on a droit à 3 essais pour détruire une base, niveau 90. Allez, c'est parti. Alors, ici, j'ai commencé par taper les canons qui se trouvaient devant pour pouvoir faire un débarquement tout à gauche. Voilà, et vous verrez, hein, j'ai fait beaucoup d'heures sur cette attaque, donc c'est quand même un miracle que j'ai réussi à passer cette mission. Alors, voilà, là j'ai préparé mon débarquement avec quelques fumigènes pour essayer d'empêcher trop de dégâts. Alors, mon timing n'était pas terrible, parce que vous allez voir, là, le premier s'est vidé, j'ai commencé à me faire tirer dessus avec les tirs de sniper, la mitrailleuse devant. Donc là, je me suis bien déplacé au fond. Je me suis fait friser. Bon, là maintenant, je suis stabilisé et j'arrive à faire quelques dégâts. Donc, je détruis un canon, une mitrailleuse, un autre canon. Me fait encore friser, donc là on essaye de détruire ça, ça passe, et une mitrailleuse encore qui va être détruite. Mais vous voyez quand même au niveau vie ça descend assez vite, mais pour une première attaque c'était satisfaisant. D'habitude je tapais les 4 box rapprochés ici pour essayer d'arriver en fait au total de 3 attaques à 20 points pour essayer de récupérer quelques éléments pour le labo et un peu de bois et des pierres ou qu'est-ce qu'il y a de libre. Voilà, donc ça c'était la première attaque. Alors on va voir la deuxième attaque maintenant. Allons-y. Alors la deuxième attaque, ça a été très 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 laborieux, et quand on se fait tirer dessus aussi mal que ça aussi souvent, c'est un peu la panique à bord. Comme vous voyez, je n'ai débloqué que 3 barges. C'était très très mauvais. On va se demander comment est-ce que j'ai réussi ça. Donc là, je passe les 3. Et pourtant, là, je ne m'en suis pas encore rendu compte que je suis qu'à 3. Parce que c'était un peu la folie. Donc mes 3, ils vont se faire dégommer. Je me rends compte qu'il y a un lance-roquette maintenant qui va m'allumer. Alors je me rapproche, l'amplificateur. On essaie de le dégommer, mais ça passe pas pour le moment. Donc le lance-roquette, le super canon, voilà. Et ça, c'est juste le générateur pour les 5 unités qui étaient autour de lui. Mais comme vous pouvez voir ici, il y a des amplificateurs pour le bouclier, et c'est une force énorme. Il y a 1,3 million en points de santé, et pour essayer de le détruire, celui-ci, il faudrait faire un warrior, un guerrier rush, mais avec tous les canons qui sont à côté, ça se passerait très très mal. Donc voilà, ça y est, maintenant le reste de mes troupes débarquent. On détruit un petit peu les tours de sniper, ce qui va faciliter ma prochaine attaque, ma dernière attaque. Bon, maintenant je me replace. Comme vous voyez, je n'ai pas assez d'énergie pour le moment pour mettre un freeze sur la mitraillette. Alors je commence à taper sur le QG, me rapprocher, détruire le lance-flamme. Alors le super canon va passer. Même pas. Non, même pas. Voilà, donc c'était assez médiocre.
Et maintenant, la phase finale, celle avec laquelle j'ai réussi. Donc, allons-y, on voit la bataille. Voilà, alors, le débarquement, déjà, c'était un peu mieux. Même s'ils partent en mitrailleuse, j'aurais pu lancer un flare dans le coin déjà pour éviter de me faire taper davantage. Parce que là, j'ai un électro qui vient de me taper aussi. C'est le débarquement de la barge. Voilà, ça y est, maintenant, je me mets en place. Beaucoup de pertes dans le procès. Alors, j'ai mis un freeze, un med kit, voilà, la mitrailleuse va passer, bonne utilisation des bestioles, voilà, mais là je me fais embêter quand même avec les lance-roquettes et les canons qui se trouvent en haut à droite. Alors, comme vous voyez, hein, la santé ça descend pas vite du tout. Mais et je me fais encore tirer dessus, donc ça a été très très juste comme vous pouvez voir. Ce qui va me sauver, c'est que j'ai quelques Zuka qui sont hors de portée des tirs de sniper, des canons et des lance-roquettes. Et c'est ça qui va me permettre de terminer la mission. Voilà, je vais passer en mode accéléré parce que j'ai le temps de me faire quelques sandwichs le temps que ça se termine. Ça, par contre, au niveau donc des bonus, c'est très très bon parce que j'ai obtenu plus de 1 090 000 en bois, je crois, et à peu près pareil en pierre. Je crois qu'on a vu ça au début de la vidéo. Et aussi, la première fois que vous battez usine de guerre, vous avez droit à 25 diamants. Je vous montrerai ça dans une seconde, dès que ça se termine. Ah, elle est belle quand même la base quand tout explose. Regardez ça un peu. Alors, on retourne. Donc, au niveau des bonus, oui, d'accord. Donc, 1 090 000 en bois, 480 000 en pierre et 2 pièces pour le lab. Donc, ça, c'est très intéressant. Alors, maintenant, on va aller voir. Donc, au niveau des bonus, donc points de Gerhardt. Obtenir diamant 25 bonus de prime. Voilà. Et là tout de suite, j'ai construit une autre machine de guerre dans